Bonjour. This is bad. On est parti pour un nouvel épisode qui est peut-être le dernier de notre Let's Play sur Amnesia Rebirth. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. C'est parti pour sauver bébé. Enfin, sauver bébé techniquement on l'a déjà fait, mais dans l'épisode précédent. Peut-être. J'espère. Mais bon. Et sachant que, bon, a priori, hein, j'ai la confirmation du coup avec le nom du succès que je pense que t'as une autre solution. Je sais pas ce que c'est, mais t'as une autre solution pour... Enfin, t'as une autre solution. En fait, je sais pas si tu peux sauver l'enfant dans le deuxième cas, mais a priori, t'as un succès qui est lié à laisser la personne en vie, donc... Donc je sais pas, après peut-être que c'est juste partir sans sauver son enfant. À ce moment-là... C'est vrai que du coup je me suis pas posé la question comme ça, mais... Quoi? Qu'est pas ça? Ça va aller, hein. Ça va aller. On va trouver le docteur, on va aller à la tour. Ça commence à devenir compliqué, hein. Mais oui, tu vas y arriver. Ça va aller. Bon, par contre, nos mains, on n'en parle pas. Oh. Oh. Docteur, faut que je boive du laudanum ou pas? J'ai pas envie d'avoir la mauvaise faim. Je sais pas du tout. Mais en vrai, ça se trouve, ça joue pas là-dessus, hein, mais... Bon. On verra. On aura la faim qu'on aura, de toute façon. Voilà. Et bon, c'est pas impossible, de toute façon, que... Enfin, moi, je vais continuer à jouer à ce jeu. Une fois le let's play terminé. Je sais pas si je continuerai tout de suite, mais ça va arriver quoi. Moi je vais essayer de faire les autres fins, notamment. Mais en tout cas là j'ai hâte aussi d'en savoir plus sur l'histoire. Ah mais c'est la fameuse tour qui fait de la fumée. Bébé. Ouais, je pense que ça doit faire mal. Oh non, non, pas... Non, 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 hein. Ah, alors si le jeu, il freeze... Merci. Merci, le jeu. Allez, on y est presque, on y est presque. Ça va aller, Tassi. Ça va aller. J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs à fouiller, mais... Just hang on. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Hein. Il a intérêt à nous aider, le docteur. Hein. S'il arrive et que... Qu'il dit, ah non, vous avez le démon dans votre corps, on va vous exorciser. Moi, je lui envoie un pot dans la gueule. Hein. Ouais, ouais. Attends, là, il y a des... Oh là là. En fait, d'un côté, j'ai envie de fouiller. De l'autre côté, je me dis, mais Tazi, elle est pas en état, là. Elle est au bout de sa life, Tazi. Mais bon, ce qui est compréhensible... Ah oui, je peux pas sauter, évidemment. Ce qui peut être compréhensible, hein, je pense que quand t'es plus ou moins en train d'accoucher, enfin, que t'as des contractions, que t'as perdu les os, tout ça... Généralement, je pense que c'est pas facile, quoi. Pas une petite allumette, là? Y a pas une bougie? Y a pas de l'huile? Je crois toutes ces portes. Ces portes fermées. De toute façon, à mon avis, l'aide, je l'aurai à la tour. Si j'ai de l'aide. J'espère que je suis pas timé, hein. J'espère que tout est scripté. On va partir sur ce principe, hein. Bébé? Hein? Non. Saïdoni. Par contre, bébé, C'est normal que les contractions elles fassent un bruit de démon, bébé? Ok. En tout cas, on trouve personne dans cette ville, c'est accueillant. Moi qui avais hâte de retrouver de la civilisation humaine.
please. Please, not yet. Not yet. Not yet. Ouh là là. Non, mais Amari, s'il te plaît, Amari, fais pas le con. Comme s'il pouvait quelque chose. Oh là là, ouh, c'est de plus en plus dur. Hein. Ah, je peux plus courir. Si, je crois que je peux légèrement courir. On va passer par là, mais je sais pas pourquoi. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de fouiller. Et en même temps, je sais pas si on est censé être en état. On va monter des escaliers. Je vais pas te tenir à la rambarde. Ah. Non. Oui, non, mais d'accord, ça va, j'ai compris. J'ai compris, il faut avancer. Oh là là. J'espère qu'il n'y a pas le docteur là-dedans, quoi. Ah, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? À l'aide! Ah! Shit! Oh, mais non, mais non, mais non! Comment je peux faire? Il faudrait que je me balance. Je peux pas regarder plus haut. Oh là là. Il y a pas un truc Who's there? Who's there? Help me. Help me please. Yasmine? Yasmine. C'est Yasmine, c'est bon. Yasmine. Enfin, c'est bon. Please. Please get me down. My foot is broke. I need the doctor. I killed them. What? I killed them. All of them. They were trying to help, but they saw my face, and I could taste their fear. Fuck. No. No. Yasmin, please don't. I'll help you. I'll try. Where is the doctor? Vas-y, Yasmin. I don't know. He was with me when I... What happened to you? What happened to all of us? It's all broken up. The tower. We were in the tower. She saved us from the desert. Who is she? I don't know. A ghost. A god. She only wanted to help. It was her. She did this to us? It didn't need to happen, Tassie. She was trying to help you. I can't remember. I'm sorry. It's trying to take me again. Oh, we must be quick. Quickly! It's coming. Non mais Yasmine, je t'aimais bien. Ah mais là par contre, en plus on a une jambe massacrée quoi. Oh putain. Par contre j'espère qu'il faut pas que je me cache et que juste que je cours hein. Mais ouais, je sais. Ouais, non, mais je me doute. Je commence à me demander. Non, mais non, non, non. Hein. Ah. I'm here, Tassie. Doctor. Euh.
baby. She's coming. It's all right. It's all right. Ses mains aussi, elles sont bien défoncées. Je suis pas le seul. Par contre, là, je me demande si ouais, le fait qu'on ait voulu sauver le bébé, c'était pas au prix justement de tout le monde en fait. Mais. Est-ce que le fait qu'on se transforme en monstre, est-ce que c'est parce qu'on est en train de se faire vider de notre vitae dès qu'on ressent de la peur ou des émotions trop fortes, et du coup que c'est transmis à l'impératrice? Mais qu'est-ce qui fait le lien en fait? Est-ce que c'est juste parce qu'on a. Enfin, est-ce que c'est parce qu'on a fait un pacte? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est juste t'arrives dans la zone de l'impératrice, tu te fais vider de tes forces? C'est pas clair. On verra bien. Toi que temps de chargement, on va terminer. No, no. The curse, the ghoul, it's in you. We cannot risk it. I will help you save the child. Be strong. Be strong. Don't let the creature take you. Breathe. Breathe. Si tu veux, j'ai du laudanum dans mon sac. Look at me. Stay you. Stay Tassi. Tu peux pas me raconter un peu tout ce délire? Ah oui, attends, je peux te regarder. C'est dur, mais je peux te regarder, pardon. Oui. Ah, et d'accord, j'appuie sur X. Regarde-le, je sais pas s'il faut, mais regarde-le. Maintiens le regard. Non. Eh oui, je sais. Ouais. Tu fais pas flipper du tout. Et poussez. Focus. Non. Docteur. Allez. Je fais les mouvements de souris que je peux. Non, la souris, non. Ok. Mission complete. I thought she might be tainted. She. Perfect. Well done, Miss Triana. You have given us hope. Please. Let me hold her. I know. For you, the child comes. Oh là là. Everything else, even the lives of your friends. Your husband. All she wanted was the child. Just that. No! Look at what you've become through your own misplaced sentiment. Now, I must do what you would not. If we are. Against our lives, what is one child? You fucking dare! You could so easily hit me enough. Non mais. Bon, par contre, du coup, elle, le fait qu'elle veuille l'enfant, ok. Mais c'est quand même pas le tien. T'aurais pu adopter pour faire toutes ces conneries là. Pourquoi y'a le masque? Non mais faut que je retrouve bébé. Faut que j'aille chercher bébé. J'ai pas le temps pour ces conneries. Mon sac. Toujours mon laudanum. Non, mais par contre, rends-moi mon gosse. Stop, damn you. Give her back to me. Ouais, bon, ça va pas si bien que ça. Après, ouais, c'est vrai qu'elle vient d'accoucher quand même, mine de rien. Peut-être pas le meilleur timing. Pour une course-poursuite. Par contre, pas la colère. Hein. Pas la goule. Hein. No. Fucker. Leave her be. Oh, attends, oh, j'ai mis de la vitaille pour le sauver, c'est pas pour hein. Ou justement, c'est peut-être pour ça qu'il est pas impur. Et qu'à la base, il aurait dû peut-être être impur ou je sais pas quoi. Please, bring her back.
Après, ça se trouve, c'est juste la grosse connerie depuis le début, hein, cette histoire de maladie pour Amari. Hein. Parce que oui, Alice a eu ça, mais... Ça voulait pas forcément dire que sa sœur aussi. He's changing. Like heck. He may be in control now, but I don't think it will last. I have laudanum. It may help. Ah! Ouais, mais attendez, Léon, ça l'a pas trop aidé le laudanum en fait. Hein. Out of your mind. Salim will be dead by now. Accept it. Don't go, Tassi. We can get him. I can't do this anymore. I just want to be with him. I don't care what happens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avant notre réveil dans l'avion, quoi? Amari! Ah bah ouais. Nice. Rattrapé. Don't do this! Évidemment, on tourne là. Hein. Évidemment. Hein. Non mais par contre, rends-moi l'enfant. Rends-moi mon gosse. Non, 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 je vais passer le jeu avec cet enfant dans le ventre. Pas pour qu'on me le retire une fois qu'il est sorti. Hein. It was the fountain. This is our fate. Damn you, Tassi. For a child, die with us. La fontaine? Quelle fontaine? C'est pas la fontaine de la ville où on a vu notre reflet quand même. C'est pas l'eau en fait qui est maudite. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que pour Tassi, elle a perdu Salim. Bon, elle a perdu Alice avant. Elle devait vivre pour l'enfant. Et on lui retire. Ouais, c'est quand même compliqué. Hein. Par contre, le docteur, il était pas choqué que le gosse naisse, quoi. I'm coming. Mère. Salut. Ah, avec des textures, c'est mieux. Ouais, Amari, hein. Amari. I see you, you bastard. Oh I non. See non. Bring her back. Don't do this. Please don't do this to us. Ouais, ouais. Tu l'as l'air vraiment. Ouais, mais il y a une salle là. En jour prévient, ça va être la guerre. Alors, autant, j'avais peur jusqu'à présent, mais. Autant là, pour trouver mon gosse. Hein. Tu peux être bien d'accord. Il peut y avoir n'importe quoi, hein. Une goule, un monstre, m'en fiche, je lui mets des tatanes. Ça marchera pas, mais. Pourquoi je suis pas surpris? Bzoup, bzoup, bdoum. D'accord. Oui. Mais encore. Oh, on peut re-sauter. Mais par contre, faut que je fasse quelque chose là. C'est ainsi que Tassi finit bloqué à jamais ici, prise au piège par le docteur Medzier. D'accord. C'est juste que je regardais pas au bon endroit. Forcément. Ça ne fonctionnait pas. Bon bah, let's go. Hein. Ah non, je m'en fiche là. Là, je sens qu'on va avoir toutes les ténèbres de la création derrière moi. Nani? C'est quoi le deal? Elle a proposé l'enfant contre...
contre la guérison. Ah ouais, bon, je passe pas par là, je vais passer de l'autre côté. Elle a proposé l'enfant contre la guérison là. Parce que... Enfin, il disait ouais, on pourra guérir, on pourra sauver tout le monde, même peut-être Salim et tout. Parce que, enfin, jusqu'à présent, moi je partais du principe que... Ah bah oui, d'accord, il y avait une grille, superbe. Je partais du principe que Tassi était celle qui avait accepté un marché, que c'est pour ça qu'il disait ouais, c'est ta faute, machin. Mais ça se trouve, c'est qu'elle a refusé le marché. Mais pourquoi elle a... Oh non, j'allais dire pourquoi elle a perdu la mémoire, mais le fait qu'elle ait perdu la mémoire peut être expliqué par rapport au truc des... du fait que quand ils ingèrent je sais plus quoi, il y a une perte de mémoire qui est orchestrée chez le sujet. Pour qu'il puisse reproduire la simulation et donc je crois extraire plus de vitae, un truc comme ça, sans que le sujet craque. Ou craque trop vite. Mais... Bon... ouais. Oh non, non, bah non, j'avais. Non! Bah ouais, bien sûr. Ah bah bien sûr. Bon, on m'en fiche, je grille l'allumette. Hein? Mais attendez. Il est où le détraqueur là? Les allumettes de ta vie. En toi réunis. Ouais. Stupid, selfish little girl. Hank will die because of you. We'll all die. Don't listen, Tazzy. It's all right. Please. Goddess. Queen, whatever you are. He's dying. You know my terms, Tazzy Chiano. Have you changed your answer? No. No, I can't stay. I can't give her up. Then I cannot save you. But I am not a monster. I will give you aid before you face the desert. Until the baby came. She wanted Amari. Ouais, ouais, ouais. Oh, moi, je m'en tiens que ça a l'air d'être une personne ultra sympathique, hein, décidément. Ah, elle nous a bien pris pour des cons, ouais. Mais en fait, on a refusé... Par contre, je m'y attendais pas au fait qu'en fait, en réalité, on avait refusé le marché. Oulala, oh, ça va me sauter dessus un moment ou un autre, ça. Hein. Oh, une connerie, hein. Tina, closer than kin. Take these vials. They contain my formula. There are four major vitae flows into her tower. Find the maintenance ports. One vial should suffice for each. Seeding the flesh into a flow should choke it, cut off her supply, and wreak havoc at the factory outlets themselves. But be wary. The red flesh is volatile, and unless all the flows are stopped, the constant cycle of pain and fear will continue, and our penance will not end. I know that if you succeed, the tower will fall, and we will not meet again in this world. But perhaps, if the true ancestors deem that we have atoned for this great sin, we may yet meet again, in another place. All my hopes go with you. In all our names, eternal. Mm-hmm. So, les fioles. There might be a way to end all of this. Oui, voilà. But it doesn't sound like any of us would survive. D'accord, donc ici ça a été fait. Ça a été détruit. Donc... Une solution serait ça.
La fontaine. Mr. Mitchell, can you hear me? Here, Hank, drink. God of the devil. Look. His wound. It was closing. Drink, all of you. It will sustain you in the desert. The fountain. We drank. C'est ça qui nous a... Ah ! Ça a l'air d'être ça qui nous a lobotomisé et transformé en monstre. Tu vas pas boire, hein. Tu bois pas, hein. Oh, holy mother. Ouais, on a pris tarif, hein. I suppose it could be worse. There has to be a cure. We just need to get home. Alors... Encore une fois, j'en sais rien, théorie, mais... Est-ce que ça veut dire que je vais pas trop mal? Parce que en fait, on voit qu'on a pris tarif. Mais on n'a pas l'air d'un monstre. Bon, mis à part notre œil gauche. Enfin, l'endroit, du coup, puisque c'est une réflexion, donc ça se projette en miroir, donc... à part notre œil droit, tout va bien, finalement. Elle dit que ça pourrait être pire. J'ai confiance. J'ai confiance dans le jeu. J'aurais pas une mauvaise fin... Je n'en sais rien. Ah non. Ah non, moi je cours maintenant. Hein. Ah non, je vous déteste. Hein. Je vous déteste. Donc non, c'est non. Vous maintenant, je cours. Ah mais on avait dit qu'il fallait... Ouais, mais on avait dit qu'on allait bien. Ce serait con de mourir et d'aller moins bien. Par contre, c'est quoi cette histoire d'eau de fontaine, là? C'est ça qui nous a transformé en sorte de zombie? Qui affecte nos souvenirs? To stand here, to have seen this place. Almost a shame we have to leave. I'm sorry, I couldn't. Not after Alice. Hey, I know. I do understand. And so will Salim. We'll find a way to... Mr. Mucho. I'm all right. I can't quite see properly. Something at the edge of my eyes. Un léger truc, ouais. Très léger, hein. Tiens, d'ailleurs, au niveau de souvenirs, on en est où, pense bête. Le bébé, sauver notre bébé. En souvenir. Ça, on l'a pas eu. Ça, on l'a eu. Ah, y'en a un qu'on a raté encore. Ah, non, pas qu'un. Bon, après, en même temps, hein, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas du 100%. Tout comme là, j'imagine qu'il y en a qu'on a peut-être raté aussi. Quoique. Ah, techniquement, non, on n'a pas raté. Oh là là, c'est vrai qu'il est, il est dur, ce dessin. Ouais. Ouais. Ah ouais, du coup... D'accord. Bon. Bon, on est proche de la fin du... C'est vrai que j'aurais pu voir comme ça si j'étais proche de la fin du jeu ou pas, en fait. A priori, on est proche, hein. On est proche du dernier souvenir. En espérant ne pas le rater, celui-là. Ah, il va être scripté, de toute façon. Bon, Ah, j'ai plus ma lampe à huile. Ça, par contre, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté. Surtout qu'on a trouvé de l'huile pour la lampe juste après, quoi. Ce qui laisse penser que... Qu'en fait, il y en avait, mais juste... Enfin, que je pouvais la récupérer, mais... J'ai juste perdu et oublié quelque part. Qu'on ne saura jamais où c'était. Ouais, les monstres, ouais. Non, mais non. Arrête d'avoir peur, s'il te plaît. Vas-y. C'est pas le moment. C'est plus le moment. Non, j'ai plus. J'appuie sur F, mais y a rien qui sort. Ma lampe à huile. Le dernier cadeau de Salim. C'est cruel de faire ça. Bon, oui, non. Ah, d'accord. Hank, non. Non, fuck, non. Mr. Mitchell, stop. I will shoot you. Run for me, Tarsley. Go. Quickly. Hank.
Oh. En plus, Hank, il avait vraiment l'air sympa, quoi. Pour le coup. Ça avait vraiment l'air d'être un bon gars, c'est terrible. Ah bah. Malik. You stopped him. You saved us. Bah du coup on va retrouver Hank aussi, ce serait bien qu'il nous aide. Mais du coup, en tant que monstre, c'est surtout quand ils sont transformés, bon à part le docteur, c'est surtout quand ils sont transformés qu'ils arrêtent pas de dire « Ouais c'est ta faute machin ». Est-ce que c'est pas une façon de pour Tinan de dire « Tu vois c'est ta faute si jamais tu les as tous fait souffrir, parce que t'as pas voulu me donner le gosse ». Résultat des courses d'ailleurs, bah du coup le docteur il va essayer de donner le gosse pour... pour lui faire plaisir, concrètement. Ah ouais, salut. J'en ai marre de vos conneries. Moi, je débranche tout. Hein. Ah. Faut faire passer le courant à côté. Essayons. Hein? Bon bah, c'est cassé. Hein. Moi, j'ai cassé les data centers. Je remonte, hein. Je finis ce que j'avais à faire. Pas de screamer. Attendez, je suis censé faire quoi là? Non, j'ai raté un truc ici, c'est pas possible. Ouais. Ça. Bah. Où est-ce que j'ai vu l'icône? Il y avait bien un truc à faire avec ce câble là en fait. Ne me sautez pas dessus quand je branche ça, s'il vous plaît. Dorothy. Salut Hank. Ça va? I can smell you. You are nearly lost. Fight it. Fight it. Ah. Take you, Dorothy. It has taken me. Il reste un peu encore de lui en lui. Il nous dit de se battre. T'inquiète, on va se battre. Mais pas contre toi, s'il te plaît. On sait jamais, hein. Quoi ce bruit? Really? J'ai vraiment fait ça moi? J'ai vraiment fait cette connerie là? On avait dit pas vous. Ah oui, non, mais si vous voyez. J'étais en mode. Vite. Oh, c'est même plus par où c'est. Oh là là, mais sans orientation sur 1000. Il est même plus sur 20, mon sans orientation, tellement il a chié, c'est terrible. La fontaine, ouais. Ah ouais, non, mais on avait vu un monstre, on avait vu un des trackers là-haut. Ah ouais, Ah mais oui, on voulait juste alimenter en fait le... bien sûr. Le but c'était d'alimenter l'ascenseur. Eh ouais. Bien évidemment. Par contre l'histoire des trucs à piquer là. I can aid your companions, but you must stay until the child is born.
One life against the rest of us. We could save Selim. Tazi, it has to be your choice. It's your life. I can't, Hank. I can't. I lost Alice. I will not give up this child. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Du coup, effectivement, l'histoire d'Alice, en plus du coup de ce que ça raconte en soi, a clairement effectivement un gros rapport avec ce qui se passe du côté de Tassie sur vis-à-vis d'Amari, quoi. Forcément. Ok. Où ça, ça ressemble à... Ça ressemble à une salle finale, ça. Hein. Ah, mais attendez, c'est le portail. El famoso portail. Est-ce que cette fois-ci va nous amener à l'endroit où on veut? Est-ce qu'il va nous emmener à Paris? Ce serait incroyable qu'il nous emmène à Paris. Imaginez. Paris. Ah bah. We could get home if I can find some more vitae. Ouais. Oh non. Oh non, hein. Au pire, on a le docteur. Ça y est, c'est bon. Au pire, on utilise le, voilà, la vitaille du docteur. C'est bon. Et voilà, n'empêche que Yasmine, même si effectivement elle aurait voulu qu'on fasse l'autre choix à la base, nous a quand même aidé. Hein. She was thinking with her heart, not her head. God damn you! Speak to me! Save. I see you, you piece of filth! She will Bastard. Not answer. What have you done with her? You must listen. I'm trying to save. Bon, bah ça c'est fait. J'ai pas pu l'empêcher. Have no fear, Tazi Drianon. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go. With the portal, I can take her home. She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here. There is hope. No. Oh, je sens que c'est une mauvaise idée, la vitaille. I thought I cured her in that horrible place. You showed me a temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Goodness. Vitae can halt this decay for a time, but is no cure. She will always need it. Follow. I will take you to her. Bah attendez, mais... Là, on commence à être dans une situation où ça devient compliqué. Ouais, tu m'emmènes, hein. Follow, Tazi. You do not have much time. Ah bon? Merde. Oh d'accord, ça va, j'ai compris. Mais Pourquoi ce dilemme? Within you. Only a germ, but growing. I could not let her die. Ah. Alors deux secondes, tu vas me permettre. Hein. Là, on me propose un choix, en fait. Et c'est là où, justement, j'étais en train de dire, ce dilemme, du coup... Je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il vaut pas mieux, finalement, tout simplement qu'on pète tout, qu'on détruise tout. Euh...
problème, c'est qu'elle risque de pas trop apprécier. Est-ce qu'on la suit ou est-ce qu'on va à droite? Parce que je pense qu'à droite, là, c'est les fameuses machines qui permettraient de tout détruire. Ah non, je suis désolé, elle s'est foutue de notre gueule un peu quand même. Tu t'es un peu foutu de ma gueule quand même, hein, tout le long du jeu et tout. Donc moi, je vais là. Hein. Y'a quoi ici? Combien de temps avant qu'elle s'énerve? Ah merde. Il me faut de la vitaille. Donc dans tous les cas, je peux pas. D'accord. I brought you all to me so she could be saved. Et toi, tu pouvais avoir un gosse aussi. I told you that Vitae would give her life, but that she must stay here. Ouais, si tu finis jamais tes phrases. Hein. You would not give her up. You would have died in the desert. Ouais. I had no choice but to make you into something I could control. I would care for her. I could be the mother I was meant to be. Ouais, mais enfin, là il y a problème. Look at yourself, Tazzy. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Je t'ai pas demandé très poliment. Hein. Amari. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends. Attends, bébé. Ouais, bébé, il est relié. Bon, je sais pas. Amir. Bébé. Amir, my heart. I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her. And come to me. I will ease your oblivion. Non mais... Ah bah tiens, maintenez X pour calmer bébé. It's all right, little one. Mais It's all right. Oh God. Look at us, Amari. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Bon, je pense que dans le doute, je vais mettre en moins 18 d'épisodes, hein. C'est ton jamais. All over again. But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Bah oui, il avait pas fini de téter, bébé. Pense bête. Ah! Y a pas un... Je dirais qu'il y a une place pour un troisième truc. Hein. Je sais pas s'il y a 3 ou 4 fins, d'ailleurs. Ouais. Donc là, évidemment... Hein. Ah, je peux... Ouais, je le sens venir, ça. Donc là, j'aurai le choix. Best for you, Amari, to be here with a promise of life. Après,
fait, après là, ça rentre sur d'autres réflexions, sur d'autres débats et limites. Enfin, mais. Là, le truc, c'est qu'effectivement, on lui propose de vivre. Bah, de survivre, mais surtout de vivre. Et. Avec la. Hein, voilà. Je vais pas la qualifier pour l'instant, mais. Avec cette personne absolument charmante qui nous a absolument pas manipulé depuis le début du jeu. Effectivement, elle pourrait vivre, mais éternellement, donc est-ce que c'est vraiment vivre? Enfin, voilà, il y a aussi... Bon, hein. Non, donc non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Let's go, Amari, on se casse. C'est mort. Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? The disease will ravage her, as it did your other child. Ah ouais. You have given me no choice. Non. I shall save her. Non, non et non. Don't have her. Do not run. Allez, c'est parti. So don't be shy. Ah bah c'est ouvert là. Hein? Non mais d'accord. Bon bah c'est parti hein. C'est parti pour le boss. Hein, on va te... Voilà, on va calmer bébé un peu. Ça va aller bébé. Mais oui. Allez. Et on est parti. Donc là, on fait ça. On fait ça. Et spaf. Et là, on contamine tout. Et on détruit tout. Et là, on se casse, bébé. Oui, oui, tout va bien, bébé. Ah merde, je disais que tout va bien, mais... Ah, après... Ah, c'est cet écho de son. Ah, attends, on va calmer bébé. Pourquoi les rochers, ils bougent à côté? Ah, c'est les lianes. Mais... En fait, je suis en train de me dire... Tant... You are not thinking clearly. It can't end this way. Not tonight. Je suis en train de réfléchir parce que soit je fais ça, soit j'essaie de partir en fait. Est-ce que je suis vraiment obligé de détruire ça? Bébé, chut. Ça va aller, bébé. Ah! Il me fallait de la Vitae. Est-ce que j'en ai assez? Oh, j'ai pas récupéré l'eau de Vitae, je suis un connard. Attends, attends, il manque de la Vitae. Atta. Oh merde. Oh merde. Ah, j'ai fait le con. Non. Je fais ce que je peux, hein. Non, bébé, bébé, ça va? Ouais, bébé, ça va. Ah, mais je crois que j'ai fait le con. Je crois qu'il va m'en falloir deux, non? Ah non, il m'en faut qu'un. C'est miraculeux. Et bim. Et bim. Ouais. Non, non, on a une chance de sauver Amari. Même si, peut-être qu'il va finir par mourir d'ici 4-5 ans. Ce sera terrible. Mais, on tente la chance. On tente cette chance. Et voilà, on va pas se sacrifier.
En fait, le truc, est-ce que si je laissais à Marie, j'aurais pu me sacrifier, j'aurais pu tout péter? Ah, mais ça serait revenu au même. Mais bon, voilà. She's gone. It's all right, Amari. She's gone. Oh, Christ. Where are we now? Normalement, on est à Paris. Mais normalement... Non. C'est quoi ce bruit? Mais non! Mais non! C'est quoi ce graou-graou? C'est pas nous, hein? Non, Tazi, ça va aller, hein? Responsable est assis. Ok, ben voilà. Et ben voilà. Je sais pas si on aura une scène post-générique ou pas, mais on a fait une des fins, une des au moins trois fins. Je sais pas s'il y en a plus, mais de ce Amnesia Dark, non pas Dark Descent, Amnesia Rebirth. Vraiment bien ce jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est vrai que du coup là je sais pas, enfin ouais, c'est vrai que je tourne ça, il y a que les deux premiers épisodes qui sont sortis là sur YouTube. Bon, le troisième est en cours d'upload, le quatrième et le cinquième aussi, enfin voilà. Ah, c'est Amari, si on voit pas Salim, c'est Amari. Bon, par contre les mains sont pas très normales, mais alors par contre, le son est peut-être un poil fort, mais ouais. C'est la remix de, c'est un remix de Hush Now Lullaby. Trop mignon. Bon, je vais laisser le son.
Il y a quand même eu du monde sur ce jeu. Bon, la musique s'est un peu calmée, j'en profitais pour commencer le débrief. Donc ouais, beaucoup aimé ce jeu. Ah non, la musique t'emballe pas. Hein. La vite c'est fini la grosse musique. Beaucoup aimé ce jeu, beaucoup aimé que ce soit au niveau de l'ambiance encore que là. Et finalement, heureusement que j'ai choisi de faire ce type de montage pour la série, parce que ça me permet du coup d'enlever une partie des moments où je reste paralysé par la peur. Mais globalement, c'est un jeu justement qui voilà, est très angoissant, enfin pour moi en tout cas, ça marche pas mal sur le côté angoissant, le côté peur. On a dit la musique. Non mais attendez, hein. Attendez la musique là. Hein. Et forcément, il n'y a plus de musique. Voilà. Je vais un peu baisser le son. Et ouais. Donc ouais, niveau de l'ambiance, vraiment, c'est je trouve que c'est très pesant. C'est très flippant par moments. Voilà, les phases de course-poursuite. Oh. Heureusement qu'en fait, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais alors, les quelques phases qu'on a avec les bruits de pas que t'entends juste derrière toi. Oh là là. Et les détraqueurs aussi, on les aura pas vus tant que ça. Et heureusement, finalement. Thanks to Shushla and Crawford for being cats. Pour être des chats. Hein. Bon, d'accord. Voilà, donc là. Donc, je sais pas si on va avoir une scène post-générique. Je sais pas s'il faut que j'appuie sur passer. Non, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on va avoir une scène post-générique? Eh ben non. Eh ben non. Bon, par contre, voilà, sur l'écran titre, on a le dessin final qui représente du coup la fin qu'on a eue. Si je fais continuer, je sais pas où j'arrive. Si je fais charger la partie, comment ça marche? Oh là là. Ah bah au moins on a tous les. D'accord. Ah, ça met pas toutes les sauvegardes non plus. Ça laisse qu'une partie des dernières. Bon, peut-être que du coup, il y a peut-être moyen de s'enchaîner en fait les trois fins. 4. En fait, après, le truc, c'est que j'avais pas regardé, mais j'avais vu qu'il y avait une vidéo en mode All 3 Endings, et en même temps, j'avais vu un autre truc avec How to Unlock the 4 Endings, donc je sais pas s'il y en a 3 ou 4. Mais le truc, c'est que là, je vois que 3 choix comme ça, en fait, qui sont de tout détruire, de laisser à Marie, ou de sauver à Marie. Alors après, effectivement, si je rechelonge ou je recharge, en fait, tu peux, je pense, assez facilement, du coup, obtenir les différentes fins. On va pas le faire là. Bon, on pourrait, mais on va pas le faire. Peut-être que je ferai une vidéo exprès en plus, en bonus, avec les deux autres fins. On verra. Alors attendez, juste si je fais continuer, ça me remet où? Sort qu'on vérifie. Mais ouais, en termes de scénario, alors bon, clairement, il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y a des trucs, ouais, j'ai vraiment pas compris. Notamment, en fait, bah, les fameuses capsules qu'on avait de souvenirs où je lui ai brisé le cou, machin. À moins que ça nous raconte juste des gens qui ont été possédés par ce. Enfin, qui ont bu l'eau de la fontaine. Après, en fait, le fait que ce soit lié à l'eau de la fontaine, je sais pas si on nous faisait mention au fait de boire quelque chose ou. Ce genre de truc. En fait, là, je suis en train de réfléchir, mais ce que je sais, il y a eu un moment donné, on nous parlait d'un mec qui disait, ouais, il faisait payer son eau, ou je sais plus quoi. Finalement, c'était jamais vraiment revenu. Mais que les gens mouraient de déshydratation. C'est peut-être comme ça, en fait, qu'elle attire ses sbires. C'est que les gens qui sont déshydratés, elle leur propose de l'eau, et puis, t'as les transformes en monstres. Qui, en fait, viennent finalement, en moissonneurs, qui viennent récupérer la vitae. Et on recommence bien ici. Juste avant la porte de fin. Donc c'est pas plus mal pour faire les différentes fins. Je sais pas, non. Non, on va pas le faire maintenant. On va pas le faire maintenant. Je ferai peut-être, voilà. Je sais pas si je le ferai en réalité, parce que... Je sais pas. J'aime bien l'idée aussi qu'on ait une fin en let's play. Et puis bon, bah voilà, les autres fins, vous pouvez les faire vous, les voir sur YouTube, etc.
ou éventuellement le jour où on fera un speedrun du jeu MDR, je ferai une autre fin. Parce que j'imagine qu'en vrai, je pense que la fin à Marie, c'est la fin la plus rapide. Mais bon, non, il faudra que je regarde un peu comment on fait les speedruns. Je sais pas s'il y a des... Il doit sûrement y avoir des glitches. Je peux pas monter là par exemple. Ouais, j'ai pas une technique de saut là. Bref. Mais ouais, non, en termes d'histoire, j'ai beaucoup aimé, notamment, bah, en fait, toute la partie autour de l'histoire d'Alice. Je vais encore me prendre un coup, un dégât de je sais pas où. Hein. Mais ouais, toute la partie Alice autour de la... Bah, alors, de la maladie d'Alice, bon, dit comme ça, ouais, j'ai adoré la maladie d'Alice. Non, non, c'est pas exactement ça. Mais... Comment dire en gros, la façon dont ça a été mis en scène avec, bah, du coup, on peut le voir. Non, c'est Alice, justement. Ah bah. Ah, j'ai pas le dernier. Voilà, on voit tous les souvenirs de bébé les uns après les autres. On la voit grandir. On la voit apprendre à compter, jouer avec Maka. Et puis d'un coup, ça devient le drame, en fait. Et on voit cette descente aux enfers qui mène à justement. Bon, bah, bon, tu réalises quand même assez rapidement qu'elle est. Qu'elle est morte, hein, Alice, on s'en doutait. Après, par contre, un truc que j'ai pas compris, par exemple, là, qui me vient à l'esprit, l'appel de Paris. Alors, le seul truc, là, que je vois comme ça, mais en même temps, ça correspond pas du tout à ces images-là, en fait. Ça, ça a l'air d'être la fin de la fin. Mais vous voyez, là, il n'y a plus Alice. Là, il n'y a plus Alice. Là, il n'y a plus Alice. Et là, il n'y a plus Alice, c'est clair. Et bon, là, voilà. Et là, Alice va avoir une sister. Mais, avec Maka. Même... D'ailleurs, Maka, quand est-ce qu'il a perdu son œil, là? Il a perdu son œil en même temps qu'Alice a perdu la vie, quoi. En fait. De manière assez symbolique. Donc ouais, et en fait ouais, toute l'histoire avec Alice, donc déjà en plus tout permet de bah, finalement tu te dis ah ouais mince, mais l'enfant, finalement à Marie, bah il va peut-être lui arriver la même chose, on sait pas, hein. Mais peu importe finalement, c'est ça le truc, peu importe, au moins elle a quand même une chance de pouvoir élever à nouveau son enfance, et voilà. Enfin, pour le personnage de Tazi, si je me mets à la place du personnage de Tazi, je me dis mais c'est horrible, ce qu'elle vit dans cette histoire, c'est horrible. Déjà ce qu'elle avait vécu avant le début de cette histoire avec Alice, c'est suffisamment horrible, mais en plus de ça, tu rajoutes donc voilà, bon bah, alors pareil, on sait pas exactement, enfin on sait pas comment elle est arrivée dans l'avion. Ça c'est un truc. Alors peut-être que si je faisais la fin ou de tout oublier, puisqu'elle disait, elle parlait de nous aider à tout oublier, peut-être que ça peut avoir un lien. Après par contre, on notera aussi le fait que bon, soi-disant elle devait nous, enfin. Ouais, si, elle nous aurait peut-être aidé direct. Mais aider comment? Parce que je veux bien que Tininan, elle voulait nous aider. Elle avait dit, ouais, je vous aiderai si vous me donnez l'enfant. Mais elle aurait fait quoi, en fait? Elle aurait fait quoi de plus de différent que donner l'eau? À moins que vraiment, elle ait donné l'eau. Elle ait sauvé Hank et tout, juste pour pouvoir les manipuler derrière. Enfin, techniquement, c'est ça, en fait. Bon, c'est là, voilà, c'est la partie qui est pas forcément claire. C'est que, visiblement, Tininan... Quand elle, c'est ce qu'elle disait, hein, à la fin, elle disait, voilà, en gros, je t'ai transformé en quelque chose que je peux contrôler. Donc, en gros, elle aurait le contrôle de ses ghouls et de ses créatures à la hein. Donc, de Hank, Léon et compagnie aussi, par extension. Mais... bon, voilà, c'est là où c'est pas forcément très clair au niveau de ses intentions, du coup. Enfin, elle, visiblement, elle veut juste le gosse, et je pense que... Enfin, ça se trouve, elle aurait eu le gosse, on l'aurait laissé, elle nous aurait buté, et puis basta, quoi. Je sais pas du tout. Enfin, bon, ça, c'est... Je regarderai, moi, de toute façon, les fins, moi, de mon côté, pour voir un peu. Mais, bon, voilà, il y a encore des parts d'ombre, des zones d'ombre dans cette histoire, sachant qu'aussi, du coup, on a des références. Donc, bon, à Alexander, à Daniel, a priori, c'est le même Daniel, j'en sais rien, que dans Amnesia. Je sais pas si le délire de l'orbe, c'était pas un truc qui revenait dans Amnesia. Je suis convaincu que dans Amnesia Dark Descent, hein, encore une fois je dis Amnesia mais c'est pour Dark Descent, Machine for Peace étant fait par un autre studio que Frictional Games, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être.
mais il me semble pas. Et donc, ouais, donc le globe, le fait, oui, qu'on soit en Algérie, je veux dire, ça me parle, les sites d'excavation de fouilles dans les souvenirs d'Amnesia d'Arkisen, ça me parle qu'il y a un rapport. Je sais plus si c'est avec l'Algérie, mais il me semble. En tout cas, il parlait de désert, il parlait de ruines, etc. Donc, vu qu'il y a un lien avec Alexander, je pense qu'il doit y avoir un lien entre les histoires de Dark Descent et de Rebirth, d'une manière ou d'une autre. Alors, sachant que, visiblement, le père de Tazi, je crois qu'on nous avait fait mention au tout début du jeu aussi, mais bon, son père, il serait content quand il avait été dans ces ruines, donc ça serait une sorte d'explorateur, donc peut-être que ça peut être lié. Après, je crois pas que Daniel, il s'appelait Daniel Trianon. À moins que... enfin, je sais pas si on a le nom de Daniel, qui est le personnage principal du jeu d'Amnesia. Après, comment il s'appelait? Oh, il y avait un autre perso. Non, pas comment il s'appelait? J'ai Alpaga, mais c'est pas Alpaga. C'est un nom comme ça. Hein. Oh, je sais plus. Ah, bon. Agrippa? Ouais, un truc comme ça. Enfin, bon. Ça me parle vaguement. Mais ça, on l'a pas vu dans celui-là. On n'a pas eu de nom comme ça qui ressemble. Enfin bon, de toute façon, voilà, t'as tout un lore autour justement de Tininan. Et autant, bah, voilà, toute la partie autour de Tininan. Voilà, je vais remettre ça comme ça, on en a un fond sonore. Toute la partie autour de Tininan. Globalement, bon, alors pareil, des détails que j'ai pas compris, mais. Et notamment le détail de. Bon, bah, ils voulaient. En même temps, ils ont fait tout un processus pour. Extraire la vitae des gens, faire un processus de chaîne vis-à-vis de ça. Mais en même temps, parce que j'imagine ce qu'on voyait quand on voyait plein d'humains dans des sortes de globes bizarres. Mais en même temps, t'en as un autre qui dit « Ouais, notre but c'était de rompre ce cycle. Et finalement on n'a pas réussi. » Enfin, donc, sous-entendu que peut-être que ce sur quoi bossaient les ducs, c'était pas forcément trouver un moyen. Enfin, quand ils essayaient de la sauver, l'impératrice, c'était pas forcément. En fait, c'est là où c'est pas clair. Mais je pense qu'il doit, enfin, il doit manquer des notes justement qui doivent donner plus d'éléments. Mais en gros, de ce que je comprends, au début, t'as eu les différents ducs qui ont dit à la reine, voilà, tiens, vous êtes éternel maintenant, donc vous avez même plus besoin d'enfants, c'est nous vos enfants machin. Bon, elle était pas contente. Et du coup, derrière, t'en as eu d'autres qui, sous la houlotte de Kita, même si Kita, enfin, visiblement, ça a un peu dépassé sa volonté, ce qui s'est passé, mais... Kita, qui était un traître, et qui, je pense, devait avoir des disciples, en gros, un truc comme ça, qui avait pour but d'arrêter ce truc-là. Ce qui est un choix, du coup, qu'on a aussi en termes de fin. Mais... Bon, voilà, c'est là où c'est pas forcément très clair non plus, mais en gros, globalement, ils ont fait tout ce système. Je sais pas si on pourra voir grand chose de là, mais. Bon, là, on voit juste une statue, incroyable. Bon, ils ont mis en place les portails pour traverser les mondes, ils ont mis. Voilà, hein, il s'est passé. Ils ont fait pas mal de trucs, mais. Ils ont installé tout ça, alors par contre, bon, bah, où est-ce que c'est localisé? Visiblement dans une autre dimension, mais. Ça, c'est pas clair non plus, hein, j'ai envie de tout dire. Ça, à la limite, on va dire que c'est une dimension parallèle, un truc comme ça. Un monde entre les mondes. Enfin, quoi qu'après, ils en parlaient aussi au début, c'est un monde hors du temps. Je crois. Donc, peut-être qu'en gros, à un moment donné, ils avaient cette ville, et ils ont failli tout perdre à cause des recherches qu'ils menaient, et ils l'ont sauvegardé dans le temps, dans une dimension parallèle. Je vous ai dit, c'est pas clair. Il y a des trucs, voilà, je prétends pas avoir compris tout le lore du jeu, hein, clairement. Mais notamment, voilà, la partie avec Alice, avec sa maladie, le lien du coup qu'il y a avec Amari, et le fait que Tazi, elle est tout perdue, il ne reste plus qu'Amari. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette partie de l'histoire, j'étais pas mal touché par l'histoire d'Alice. Enfin, je trouve les petites scénettes qu'on avait, c'est glauque quand même. C'est quand même glauque, hein. C'est un peu dur. Voilà. Donc bon, je fais à peu près le tour de ce que j'avais à dire, je crois. Je pense que je me renseignerai davantage sur le jeu, j'en ferai sûrement un avis, bilan, un petit peu à la Outlast 2. Comment ça fait un moment la vidéo sur Outlast 2, mais...
Mais j'essaierai de faire voilà, une vidéo un petit peu pour décrypter l'histoire, en m'enseignant un maximum dessus, en, voilà, en essayant de lire, en lisant les notes qui me manquent, en regardant toutes les fins, pour avoir un avis un peu plus global de l'histoire et pour en faire un meilleur résumé. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Il m'a fait peur. Déjà, pour un jeu d'horreur, c'est bien. Mais en même temps, bah voilà, enfin je vous ai dit, il y a des moments où je l'ai dit, c'était une lutte contre moi-même, ça, notamment le je pense que c'est un des pires moments pour moi, hein, c'était le moment où t'as le monstre qui pop et moi je me couche devant le monstre et il bouge pas le monstre. je sais plus combien de temps ça dure au montage, mais genre, enfin l'extrait est suffisamment court, mais je suis resté bien 5 minutes, peut-être un peu moins, mais je suis resté comme ça, couché. Je me disais, mais le problème c'est que comme je l'avais dit à ce moment-là, ça c'est le genre de situation où dans le jeu, je préfère mourir et recommencer plutôt que m'enfuir, parce que ça me stresse trop. Et je l'ai quand même fait. Donc c'est là où je suis content, c'est que du coup j'ai réussi à apprendre un peu plus sur moi, sur ce jeu-là, par rapport à des trucs sur lesquels j'ai du mal. Ça ne m'a pas empêché de rester pendant une demi-heure coincé derrière un mur à l'épisode précédent. Mais bon. Écoutez, on fait comme on peut hein, aussi, tout ça pour mourir et courir à la fin. Ouais. Bref, en tout cas, j'espère que ce let's play vous aura plu, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres contenus en termes de let's play, donc notamment un jeu d'horreur qui est en tout cas actuellement en cours sur la chaîne, qui s'appelle Song of Horror, qui était à la base le let's play Halloween, qui est devenu mon Némésis. Ce jeu, c'est devenu mon Némésis. C'est terrible. Mais voilà, donc normalement, ça va reprendre. Ça a déjà peut-être repris d'ici à ce que cette vidéo la sorte. Il y a le let's play sur Visage. Qui, bon, enfin, c'est un let's play. C'est pas un vrai let's play. Hein. Enfin, si, mais. voilà, si jamais la suite arrive en 2021, elle arrivera en 2021. C'était, bon, moi, j'ai joué à ce jeu pour Halloween. En mode, vas-y. Je joue au début du jeu pour Halloween et puis on verra plus tard. Hein. voilà, hein. Non, c'est surtout que bon, voilà, il y a quelques let's play qui sont prévus ou qui sont en cours sur la chaîne, hein, notamment Zelda, qui est en pause jusqu'à Hyrule Warriors Age of Calamity, quand il sera fait à sa sortie, et quand il sera fait, on reprendra Zelda. Il y a Mario. On parlera pas de Mario. Non, mais il faut que je reprenne en vrai, c'est juste que... Jusque là, j'ai eu un gros mood jeu d'horreur. Et ce jeu, ouais, m'a beaucoup plu. Parce que je trouve l'histoire prenante, je trouve que, enfin... oui, les Amnesia, c'est des jeux... C'est souvent cryptique au niveau de l'histoire, hein. T'as des trucs... Je crois que c'est Machine for Pigs. Il y en a un des deux entre Machine for Pigs et Dark Descent qui est un peu plus clair. Je crois que c'est Machine for Pigs qui est un poil plus clair sur certains points. Au final, même si je sais plus, peut-être que Dark Descent s'expliquait bien aussi. Je me rappelle plus si bien que ça des jeux, mais bon, globalement, voilà, c'est pas des histoires que tu comprends forcément, juste enfin, encore moins que tu comprends en faisant juste le jeu. Là, si j'avais pas lu de notes, je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Mais bah, t'as toujours ce tronc commun qui est par exemple la partie Alice à Marie, et ce tronc commun, l'aventure que tu vis. Franchement, je la trouve sympa. Je l'ai trouvé vachement cool. Tazzy Best Girl, hein. Vraiment, jusqu'au bout, elle aura lutté pour son bébé. Et contre la maladie. D'ailleurs, le bracelet, le bracelet du voyageur, là, médaillon de voyageur. Non, je peux même pas le sortir. Mais bon. Ah, mais non, mais je l'ai plus, puisqu'il me l'a volé, l'autre connard. C'est vrai. Bref. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à bientôt pour peut-être les autres fins d'Amnesia, peut-être pas, et aussi une vidéo bilan du coup sur l'histoire d'Amnesia, Rebirth, tout simplement. Portez-vous bien, bye bye. I may never see you again. I'm sorry, Amari. Here. You have a chance. Here. You will have a life.
Thank you, Tassie. I will protect her. I will love her. I am sorry that this was your path. Ah ouais, ça c'était vraiment la pire fin. And you and I step out there and see what comes to us. Please, Tassie. How can you protect her out in the world? You have given me no choice. I shall save her. Her body won't fail her. It is your legacy. You.
don't think we'll survive it, little one. You are not thinking clearly. It can't end this way.